J'ai le caporal Jetalaya de la S3. Moi, je suis le sergent Potier de la S3 aussi. Nous, on était au Mali de juin 2021 à septembre 2021. Et du coup, le 25 septembre, on a eu un incident de grenade. Donc, j'étais polycriblé dans tout le dos. Moi, j'étais avec le caporal chef Talaga. C'est moi qui tenais la grenade au moment où il y a eu l'accident. Donc voilà, moi aussi, j'ai été polycriblé et j'ai perdu mes mains. Donc, bonjour, je suis l'adjoint-chef Hakim Merzougi. Je suis l'officier des sports, le chef de cellule éducation physique militaire et sportive du 27e bataillon de chasseurs alpins. Donc le défi Tiger Red pour lequel je m'exprime aujourd'hui, c'est un défi qui a été fixé à l'attention de trois de nos blessés qui ont eu des incidents au Mali en 2021. Ils sont prêts, ils sont motivés et voilà, ils ont vraiment le couteau entre les dents parce qu'ils savent aussi que le fait de réaliser ce défi, ça leur permettra de dépasser ce que eux ressentent. Et notamment le manque de confiance à l'heure actuelle, puisque ça leur permettra de renouer avec leurs camarades. Donc tout l'esprit de cohésion qui va se remettre en place entre militaires, avec la société civile aussi. Le tour du Mont Blanc, il est programmé entre le 16 septembre et le 24 septembre.